I saw the very first pic and I was like, it's gorgeous, it's really gorgeous. And now I am not talking about Longchamp, I'm talking about Coach. Hi everyone, welcome back to my channel. I'm bag passionate, French bag collector, fashion lover, and above all, Longchamp addict. Welcome to my channel. Bonjour les francophones, bienvenue sur ma chaîne Bags Passionate, collectionneuse de sacs, amatrice de mode et redingue de Longchamp. La vidéo en français après la vidéo en anglais. So yes guys, I just discovered on the European Coach website the new item for the next season. And I have to say, Coach has really realized a beautiful collection. Amazing pieces. So this video is about these items. Okay guys, I place myself like this because I will put pics. And the very first item, which you may have seen already on YouTube because some people already got this bag, is the new color of the Cassie 19. This gorgeous blue, which reminds everyone the Tiffany blue. It's gorgeous. And guys, it's got silver hardware, and you know how much I love silver hardware. And I have to say, I myself own a Cassie 19. I don't know if I will buy this special blue edition, but guys, I have to say the Cassie 19 is just a great bag. If you love this blue and you need a practical everyday bag, well, go for this. The next item Coach release are, yes, we can call it tote bag. I don't know the English name because, you know, on the French website, I just have the name in French, and in French they called it fourre-tout, which is like cabas, tote bag. Two size, and yes, I have to say the style is good. The style is clearly lovely. I love the color combination. It's again a beautiful bag. And then let's talk about the tabby, which is one of the most famous and popular Coach style bags. And look, they produced them in denim. And look at the color, guys. Either the blue, either the purple are, oh my God, they're just lovely. They are just lovely. And the tabby soft is, it's nice. It's a classic vibe, but also perfect for everyday. But if you go suddenly to a restaurant, it's also okay. So really, I love this bag. And once again, Coach has done a really great bag. And what I love with the tabby is that you got two straps. A lot of Coach bags comes with two or either three straps, but you can wear it on the shoulder, you can wear it crossbody. We nearly reached the perfection. And the tabby also exists in, it's like, I don't know if you can say straw effect, but look at those two ones, either black and gold and either green and violet. Guys, here again, the color combination are just lovely. They are really great. I'm sorry, I keep on repeating that, but wow, gorgeous bag. Then they come with a new oboe style bag. I show a pic, and once again, it's nice. It's really a nice bag. And something new that I've never seen, this bag, it is called the Rhea 21. It's gorgeous. It's really gorgeous. It's a lovely backpack. I do love the top handle in leather. And if you want to see a nice review of this bag, go and check the channel of Julie from Agent Bags Review. She got the blue version and it's gorgeous, guys. It's really gorgeous. And if you love denim, they also release a Ruby 18. I do presume maybe the violet version exists, but here on the French website, so the European website, we just have the blue. I keep thinking across the violet may pop up because I'm really tempted by a Ruby 18. So let's see in the future. Then a new bucket bag also appear, which is called the Camellia. And my God, the leather seems really soft. And I think it's really nice to touch this bag. I love the details. And yeah, here again, the color proposed are just lovely. It's
lovely, guys. And then they also put a version of denim in the Swinger 20. It's gorgeous once again. It's really gorgeous. I know a lot of people have the Swinger bag and they all found it really practical, easy. It's a tiny bag, but you can fit all your essentials. So yes, once again, Coach made a little success. And then the very last one that I really like, it's called in French, sac pochette. It's a bag that you can turn either in a wristlet or other as a real bag. And yes, once again, I think it's nice. You see the little logo is the same color of the bag. It's really chic. I do think this bag is practical. It's a yes again for the style. Concerning the outlet section, I have selected three items. The very first one is the raw one in the lime color. Guys, I've got a black raw one and I can tell you it's a really a nice bag. The size is really nice. It's not a big bag, but it's not a tiny bag. It's in the middle and it's really perfection if you have to bring a lot of stuff for your everyday. And in this lime color, it's just gorgeous and it comes with a signature strap. There's also a tiny tote, really, really cute. And the color are pop and they are perfect for spring, summer, I do think. And I love the style of this little tote. And the last one is a bag I've never seen. It is called Lacé. In French, we pronounce it Lacé or Lacé, maybe in English. Sorry if I mispronounce it. And it reminds the tiny raw one, but I will put a picture comparing the raw one and the Lacé. And I do love this kind of style bag. It's really nice. So yes, again, it's a big yes. So guys, it's a bunch of items, but really, I do repeat, when I saw the pics, I said to myself, oh my God, Coach really has released nice items for the next season. And I know they are of great quality. I already own two Coach bags. Will I buy one of this list? Yes, I have to say I'm very tempted by some of them. But I'm waiting, you know, guys, Longchamp will also release in the coming days. So I will tell you honestly, I will compare what will release Longchamp and what has released Coach, and I will decide. But I know it will be a hard choice. If you love this video, do not hesitate to give a thumbs up. It's really helped me. If you haven't subscribed to my channel yet, please do. It's free and it really keeps my motivation, guys. And now we are becoming a nice community. So if you love bags, you know you are at the right place. Do not also forget to click on the notification bell because many videos will come soon. And I have some surprises for you. So stay tuned. Thanks for watching. Have a great day. Take care and see you soon. Bye guys. Et maintenant, la version française. Bonjour les amis, alors voilà, je l'ai dit en intro, mais je l'ai dit en anglais, je ne l'ai pas dit en français. Quand j'ai vu les premières images, j'étais là, oh, c'est trop beau. Et je ne parle pas de Longchamp pour une fois, je parle de Coach, la célèbre marque américaine. J'ai sélectionné pour vous certains articles qui viennent de sortir et je n'ai qu'un mot à la bouche, c'est magnifique. Donc on commence. Voilà, je me mets comme ça vous verrez les photos des sacs que j'ai sélectionnés pour vous et aussi pour moi parce que c'est vraiment ceux que je préfère. Alors le tout premier, c'est le Cassie taille 19. Moi j'en ai un en vert foré. D'ailleurs, si vous voulez aller voir ma vidéo concernant ce sac, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là, ils l'ont sorti dans un bleu que vous allez tous reconnaître. Le bleu que l'on appelle tous le bleu Tiffany, un espèce de bleu piscine très clair, un très beau turquoise. En plus, la métallerie est en argent. Il est magnifique. Il est franchement magnifique. Je ne sais pas si je craquerai pour ce sac parce que voilà, j'en ai déjà un. Et même si je l'adore, voilà, j'essaye d'avoir plutôt d'autres modèles de sacs, même si j'aime bien des fois avoir des doublons. Mais voilà, franchement, si vous cherchez un petit sac pratique avec un cuir bien sympa, le Cassie 19 est vraiment peut-être fait pour vous. Aussi, ils ont sorti des fourre-tout,
joli cabas. Je vous mets les images. Il y en a un petit et un grand. Moi, je les trouve magnifiques. C'est chic, c'est beau, c'est... voilà. Vraiment, là aussi, j'ai eu un petit coup de cœur. Le troisième sac, ça concerne un sac mythique de chez Coach. C'est le Tabi. Alors là, c'est le Tabi Soft. Ils l'ont sorti en jeans ou denim, si vous voulez l'appeler aussi comme ça. On l'a en deux couleurs, en bleu et en violet. C'est juste trop beau. C'est vraiment, c'est beau. Et le Tabi, il est pratique. Il vient avec deux anses. Donc, pour un porté un pôle et pour un porté long croisé, la capacité a l'air vraiment bien. Donc, voilà. Ce sac aussi, il m'a vraiment plu. Il existe une autre version avec... là, ce n'est plus du denim, mais c'est comme un effet un peu paille, très sage. Pareil, ils l'ont sorti en deux coloris, noir, or et vert, violet. Là aussi, je n'ai qu'une chose à dire, c'est beau. C'est beau. Ensuite, ils ont sorti un nouveau style de hobo, une espèce de fourre-tout porté épaule. J'aime bien aussi. Franchement, je trouve ça... voilà, c'est sobre, c'est chic. Il vient aussi avec plusieurs bandoulières. Voilà, lui aussi, c'est un grand oui pour le style. Ensuite, ils ont sorti un nouveau sac à dos qui s'appelle le Ria 21 en version denim. Pareil, là, il est en bleu et en violet. Il est vraiment très, très beau. J'ai déjà plusieurs sacs à dos, mais vraiment, lui, il me plaît, il me plaît. Si d'ailleurs, vous souhaitez voir une vidéo sur ce sac, Agent Back Reviews, la chaîne de Julie, vous montre un peu plus en détail ce sac. C'est tout en anglais, mais voilà, vous pouvez déjà, à travers les images, voir un petit peu comment ce sac fonctionne. Il est très, très beau. Évidemment, ils ont aussi sorti une version du Ruby 18. Là, on l'a qu'en bleu en France. Je suppose qu'il existe en violet, voilà, comme le denim existe en plusieurs couleurs. Et c'est juste très, très beau. Là, je sais que s'il sortait en violet... Ah là là, je crois que mon cœur ferait un gros boum. Il y a aussi le saxo Camellia qui vient de faire son apparition. Et là, moi, ce qui me plaît dans ce sac, déjà le style, mais surtout, c'est le cuir. C'est un cuir lisse, mais qui a l'air vraiment intéressant au toucher. Il est sorti en trois couleurs, mais vraiment, voilà, c'est un joli petit saxo qui change un peu de l'ordinaire avec les petits détails. Donc, c'est pour ça que ce sac fait partie de la sélection que je vous montre. Le Swinger 20, peut-être certains d'entre vous ont ce sac. Pareil, c'est un modèle phare de chez Coach. Ils l'ont sorti en version anonyme, en bleu et en violet. Et c'est trop mignon aussi. C'est pour ça que c'est dans cette liste. Et enfin, le sac pochette. Un tout nouveau modèle. Alors, la pochette peut se détacher d'un côté pour se mettre, vous savez, pour former une anse et porter ça comme une pochette avec une dragonne. Et j'aime bien, le logo est de la même couleur que le sac. Je trouve ça sympa, c'est à la fois ça se voit, mais à la fois c'est pas trop tape à l'œil. Donc là aussi, ce sac est dans ma sélection. Concernant la rubrique outlet, parce que vous savez, Coach a une collection, on va dire classique, mais il propose aussi des produits, pas en deuxième des marques, mais en outlet, oui, c'est... Et j'ai sélectionné trois nouveautés que je trouve aussi très, très jolies. Il y a un Rowan taille normale qui est cette fois-ci en couleur lime. Vous savez, cette espèce de citron un peu vert, mais bien néon. C'est juste magnifique. En plus, la bandoulière, c'est une bandoulière avec le canevas signature. Donc, c'est quelque chose qui change un petit peu. Moi, j'ai un Rowan noir. Je l'adore, c'est super pratique, la contenance elle est parfaite si vous avez vraiment des choses à transporter pour votre journée. Donc là, quand j'ai vu lui dans la couleur lime, ben banco, hein. Il est juste très très beau et je sais que c'est un très bon sac. Ils ont sorti aussi des petits cabas, les couleurs sont juste adorables pour la saison qui arrive. Et puis voilà, printemps, été, un petit cabas, voilà un petit panier un peu en osier, ça marche toujours. Et enfin, le dernier modèle concerne le lacet. Ça s'appelle comme ça, lacet, je vais vous marquer le nom. C'est un nouveau style qui il est un peu différent du mini Rowan. D'ailleurs, je vais vous mettre à côté le Rowan et le lacet pour que vous voyez un petit peu. Il est un peu plus long. Et pareil, je craque, moi, ces sacs un petit peu avec des petites anses, un peu format bowling, un peu papillon, comme on appelle. Moi, je trouve ça... Voilà, c'est dans le style, c'est sympa, c'est
Ça peut être élégant suivant la tenue, mais ça peut être aussi parfait, voilà, pour un petit sac, pour aller faire son shopping, ses courses. Donc, c'est pour ça que c'est aussi dans ma sélection. Voilà, c'était ma petite sélection des nouveautés Coach. Est-ce que je vais craquer? C'est une excellente question car, comme vous le savez, Longchamp va aussi sortir prochainement ses nouveautés. Donc, je vais vous le dire honnêtement, je vais attendre de voir ce que sort Longchamp pour voir. Déjà, je sais qu'il y a un petit quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais voilà, je vais comparer un petit peu et on verra pour qui je vais craquer. Mais vraiment, là, je tenais à souligner que Coach a vraiment fait des sacs super jolis. Super, super jolis. Et quand on connaît un peu Coach, on sait que la qualité est aussi là. Certes, en Europe, on est un peu plus cher qu'aux États-Unis. Mais voilà, vous avez un sac qui va tenir dans la durée. Donc, vraiment à voir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que ce type de contenu vous plaît et que vous aimez les sacs, ben vous êtes à la bonne place. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à donner un petit pouce en l'air. Ça aide beaucoup pour le référencement. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos car je vous réserve quelques surprises bientôt. Et voilà, encore un grand merci d'être là. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye les amis.